donner à manger aux routiers pour qu'ils gardent la pêche dans leur travail. Sur 13 aires de service de Vinci Autoroute, des food trucks remplacent depuis 15 jours les restaurants fermés. À chaque fois, en moyenne, 50 repas chauds et gratuits sont servis. Bonne journée, bon courage. Merci, à vous aussi. Je savais que j'allais être là dans ces eaux-là vers midi à peu près. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, à midi, je serai là pour avoir un bon repas. Manger chaud en étant routier, c'est pas facile. C'est pas évident, donc ça fait très très plaisir d'avoir un food truck sur les autoroutes. C'est vraiment sympa, je m'y attendais pas. Ce cuisinier offre aux camionneurs le thé et un peu de chaleur humaine. Jusqu'à début avril, son entreprise ne tourne plus. Le 6, l'appel du concessionnaire d'autoroute lui redonne le sourire. Les entreprises donc où je travaillais, elles ont fermé leurs portes au public. Du coup, j'étais obligé d'arrêter. Même les particuliers qui m'avaient réservé des dates, qui ont soit annulé, soit reporté leurs événements. Donc j'étais complètement à l'arrêt. Repas du terroir en main, les chauffeurs trouvent rapidement un lieu pour déjeuner. Ces distributions continuent au moins jusqu'à fin avril. Elles sont exclusivement réservées aux routiers.